Ben, ils sont où? Ben non. Ils sont pas là. Ben non. Je les vois pas. Mais ils sont passés où? C'est grand ici? Oh là là. Encore une chambre? Ben non. Ben non, ils sont pas là. Waouh, c'est grand. C'est pas possible. Mais non, ils sont pas non plus sur la télé. Ils sont. Ils sont peut-être dans la salle. Ah ben, tout est installé, mais je ne les vois pas. Concernant l'e-commerce et les outils pour communiquer sur le web. Donc nous avons travaillé ensemble de concert, surtout avec Madame Roussel, et nous avons essayé de voir comment améliorer la communication que vous aviez par rapport à l'auberge pour mieux communiquer avec vos clients sur le web. Tout à fait. Merci. Vous avez peut-être repris quelques... Donc on a repris, donc j'assistais aussi en même temps. Donc on a surtout voulu nous faire cette formation afin de connaître un peu mieux les outils modernes de communication que sont les réseaux sociaux maintenant et qui sont indispensables maintenant pour pouvoir développer notre chiffre d'affaires et se faire connaître encore plus sur les réseaux sociaux. Donc c'était pour nous un petit peu vague et étant donné que c'est notre... C'est Aurore, notre chargée de communication, qui s'occupe de tout ça, mais nous voulions nous-mêmes, en tant que gérants, savoir comment ça se passait. Et c'est vrai que cette formation était très ludique. Et tout en s'amusant, on a appris beaucoup de choses. Et maintenant, on n'est pas des as, mais on connaît les réseaux sociaux. C'est vrai, tout à fait. Nous avons beaucoup travaillé ensemble sur comment les utiliser, comment s'outiller également avec... les téléphones par exemple ou des outils annexes de perche à selfie et autres et nous avons essayé de voir un peu plus en détail où étaient les clients, comment les trouver et comment communiquer avec eux. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'était surtout le but de cette formation. Mais nous, ce n'était pas encore trop notre tasse de thé et maintenant Aurore, en chargée de communication, peut vous en parler plus que nous, étant donné que c'est elle qui est plus à même de communiquer sur tous ces réseaux. Ah oui, c'est vrai, c'est Aurore que j'ai aperçu tout à l'heure. D'ailleurs, nous pouvons peut-être lui poser la question en direct. Aurore, vous pouvez nous rejoindre, s'il vous plaît. Bonjour Aurore. Bonjour. Je vous en prie. Asseyez-vous. Merci. Alors, comme vous le savez, dû comprendre, je suis Aurore. Donc jusqu'à présent, c'est vrai que j'étais la seule à utiliser les réseaux sociaux. Là, on va développer notre présence sur le web parce que j'ai eu quelques petites astuces supplémentaires. Voilà. Du coup, vous allez nous retrouver partout. Partout, partout, c'est vrai. J'ai vu ça ensemble. On a vu, surtout avec Madame Roussel au départ, qui a fait la formation de base, mais qui maintenant comprendra mieux également votre travail, d'après ce que j'ai compris. C'est ça, voilà. Donc maintenant, n'hésitez pas à nous suivre, hein, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, on est partout. Partout. Retrouvez-nous. Et merci en tout cas de votre accueil, c'était...
c'était charmant. C'était, en plus, nous avons mangé ensemble le midi sur place à l'auberge. C'était excellent. Je recommande. Et merci pour cette formation qui a été très enrichissante. Merci beaucoup, madame Roussel. Merci à vous pour votre professionnalisme. Et c'est vrai qu'on a beaucoup apprécié ces trois jours de formation. Dans la bonne humeur. C'est vrai. C'était excellent. Nous avons beaucoup ri et beaucoup travaillé aussi avec madame Roussel. C'était excellent. Merci encore, merci Aurore merci pour votre présence parmi nous pour ce témoignage. Et donc, je vous dis à très bientôt pour améliorer peut-être autre chose, je ne sais pas. Enfin, et nous, on vous dit à très bientôt à tous sur tous les réseaux sociaux. Exactement. Et nous nous retrouvons sur YouTube de toute façon. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche en dessous pour me retrouver si vous voulez en savoir plus sur ce que je peux vous proposer sur les réseaux sociaux. À bientôt, au revoir.